enfants. Amen. Ce matin, nous voulons te bénir. Amen. Si nous sommes levés, c'est par ta grâce. Amen. Ce n'est pas parce que nous voulons nous lever. Non. Ce n'est pas parce que nous sommes forts. Non, papa. Mais c'est parce que toi, Amen. Tu l'as voulu. C'est toi qui donnes la force de vouloir. Amen. Et nous croyons qu'il y a un dessein qui est attaché à tout cela. Amen. C'est pourquoi pleinement laissons entrer dans cette adoration de ce matin. Amen. Tout dégager. Que tout ce qui pourrait être dans ça soit brisé. Au nom de Jésus. Oui, nous voulons te donner tout ce qui est en nous. Amen. Nous voulons, Seigneur, t'adorer sans réserve. Amen. Oh, merci, Seigneur. Merci, papa. Ce matin, Seigneur Dieu, nous sommes dans ta présence. Amen. Nous condamnons toute œuvre des ténèbres au nom de Jésus. Si quelqu'un est venu malade, oui, souviens-toi, Seigneur. C'est une affaire déjà arrivée. Parce qu'il est écrit que par tes blessures, nous avons été guéris. Alors, Satan, par l'autorité de la parole, je t'ordonne de prendre toutes tes maladies. Là où le Saint-Esprit, oh Seigneur, tu n'as pas de place. Je te rends compte de la vie. Oui, c'est le mandat que j'ai reçu de la part de Dieu. À mon nom, vous chasserez les démons. Alors je vous ordonne de quitter cet endroit. Au nom de Jésus. Seigneur, visite-nous. Que ta force nous soit donnée. Que la Shekinah de Dieu Seigneur ici. La gloire arrive à toi. Amen. Merci Seigneur. Merci. Nous plaçons tout un chacun maintenant entre tes mains. Nous te laissons toute la place. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La foi. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes en place? Amen. Amen. Tu nous prends Dieu Tout-Puissant. S'il est le Dieu Tout-Puissant, on va le chanter avec vie et avec joie. Amen. Alors tout le monde se met debout. Que le nom du Seigneur soit béni. Les acclamations pour le Seigneur. Tout l'univers, il n'y est pas son pouvoir.
donne de la force. Chantez de mettre dans une position de victoire. Amen. Les rues de Jéricho, ce n'est pas prédication. Ce sont des championnats des cœurs sincères. Parce qu'ils étaient dans l'attente d'une victoire. Par les cantiques, les rues sont écoulées. Parce que Dieu était dans le camp. Amen. Quand tu chantes, les soucis disparaissent. Amen. Les démons sautent. Amen. Quand tu ne chantes pas, c'est que ça ne va pas. Amen. Tu es dans la joie, la Bible dit, donne des cantiques. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Quand les ténèbres viennent, on donne des cantiques. Amen. Amen. Ça disperse les choses. Amen. Et puis ça te maintient dans la bonne position. Il dit, tu ne passeras pas par moi. Amen. C'est pas sur moi que tu vas envoyer des rides. Moi, je suis un homme joyeux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez le shalom du pasteur Charles Philippe de Gorogo. Ce matin, il m'a dit de vous transmettre mon shalom. Également, vous avez le shalom du pasteur de Narcisse de François. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, nous sommes contents. On a le, notre précieux frère Josué, ministre de Dieu. Il est avec le pasteur André. Voyez, dans nos petits pas de début, on était ensemble. Amen. Voyez, il peut se lever. Il est avec sa soeur épouse. Elle peut se lever aussi. Elle est venue avec son épouse. Ouais, elle a venu, elle fait un coup ici. Et puis on va la voir. Il y a tellement mangé de poissons, de crevettes. Yes. On sera dans la force, on va courir.
comme les enfants. Amen. Tu as ton travail de vieux. Donc, il n'y a pas vieux là-bas. Il n'y a pas bébé là-bas. On parle toujours des jeunes. Amen. Donc, que ici j'ai des rides, des cheveux blancs, ça ne veut dire absolument rien. Amen. Parce que mon esprit n'a jamais vieilli. Amen. 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 Un homme, peu importe, il mûrit, il grandit en sagesse, mais son esprit ne mûrit pas. Son esprit reste terre. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Je voudrais vous dire merci. Merci pour votre mobilisation. Amen. Merci pour tout ce que vous avez fait. Amen. Voyez, nous sommes passés par beaucoup de preuves. Amen. En un si petit moment. En un laps de temps, nous avons affronté beaucoup de situations. Et vous ne vous êtes pas laissé ébranler par quoi que ce soit. Vous avez tenu bon. Amen. Vous avez, voyez, fait ce que un soldat devait faire, être à son poste de voir, peu importe les balles qui sifflent à gauche à droite. De toute façon, dans ce corps, on est là pour un combat. Amen. On a l'assurance qu'on ne peut jamais être vaincu, mais ce n'est pas qu'on ne peut pas prendre des coups. On prendra des coups, mais on ne tombera pas. Prendre des coups lâches. Voyez, tu n'attends pas que tu frappes un coup, ça te fait t'entendre un peu, mais quand tu t'es redressé là, celui-là c'est fini pour lui. Donc, chacun joue son rôle, mais nous avons le bon rôle. Amen. On est dans un film où le chef bandit ne veut pas tu voulais à la fin du film. Le brave, si on l'a frappé de côté, à la fin il va tuer tout le monde. Amen. Et comme nous sommes les braves, que ce soit en soeur, en frère, quel que soit ce que ça nous frappe, mais on sait qu'à la fin, on va tuer tout le monde. Amen. C'est le scénario qui a été écrit à notre sujet. Amen. Donc, je voudrais vous dire merci. Dieu, par sa grâce, a permis que nous puissions cacher le corps de son poing. Beaucoup de courage à notre sœur. Voyez, on m'a dit qu'elle est là. Voyez, ah. Tout à l'heure, à la fin, les anciens et moi, on va prier pour elle. On ira prier pour elle. Ça peut être ici, ça peut être là-bas, peu importe. Mais on va prier pour elle pour la placer dans la position qu'il faut. Voyez, afin de contrer toutes les autres influences. Mais que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa main soit sur vous. Amen. Et soyons solidaires. Amen. Restons unis. Amen. Épaule contre épaule. Peu importe l'adversité. Soutenons-nous les uns les autres. Amen. Financièrement, matériellement, spirituellement. Voyez, comme l'a dit notre prophète de Abraham, la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Et je vous dis merci. Les anciens et moi, nous disons merci. Voyez, le combat continue. Amen. Voyez que dans le même laps de temps, l'ennemi a frappé partout. On a notre bénédiction. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, il serait mort. Parce que l'appendicite a éclaté dans son ventre. Voyez, pour qu'il connaisse le message, si vous avez vu la foi et l'assurance, vous voyez ce que le prêtre a dit à cette jeune fille. On n'aura pas le temps d'aller à l'hôpital, parce que ça va éclater et tu vas mourir. Voyez, Dieu a utilisé sa servante, voyez, la sœur Jonas, qui a été prompte et qui a été dans tout le combat. Voyez, pendant une semaine, elle monte, elle descend, elle est là aux cheveux, comme son bébé. Actuellement, c'est elle qui est là-bas encore. Elle devait descendre, elle est là-bas. Voyez. Même ce que même notre papa biologique, même maman biologique ne ferait pas. Elle est là-bas. Elle est
à toutes les portes. Voyez, et Dieu a travaillé. L'ennemi voulait rentrer encore dedans. Si le vrai n'est pas encore sorti, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de combats. En une semaine, il a été opéré deux fois. En une semaine, il a été opéré deux fois. Mais Dieu, il est Dieu. Amen. Voyez, il t'attend ici, il t'attend là, mais la victoire est pour nous. Amen. Au moment où on faisait le mariage, le même jour du mariage de l'ancien, voyez, Paul Pedro a perdu son enfant. Mais il m'a appelé, il a dit, pasteur, parce que c'était le vestment. Il a dit, pasteur, je ne veux pas que ça gâche le mariage. Donc, on laisse comme ça. Et ça, c'est avec les anciens qu'on a géré, c'est pendant le mariage qu'on a appelé l'enfant. C'est pas un moment donné, il a disparu, on a pris mon petit frère pour le remplacer. Parce qu'on gérait ça depuis le matin. Vous voyez? Mais il fallait qu'il soit là pour assister à l'entraînement de son fils. Donc, c'est pourquoi il est parti et il est venu comme rien n'était. Parce qu'il ne peut pas qu'il y ait une mauvaise nouvelle qui va perturber son frère qui se marie. Amen. Amen. Vous voyez, c'est de l'amour. Amen. Il a tant sa douleur pour que son frère soit pas triste. Amen. 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 Où on va trouver une telle famille? Amen. Amen. C'est pourquoi ne regardez pas les petits désagréments, même la dent et puis la langue là. Parfois, le plus faible là, c'est la langue, c'est lui qui subit. Mais pourtant, il ne va jamais dire que je ne vais pas donner le sens de, voyez, de la nourriture. Oui. Il va toujours donner le goût. C'est mauvais, c'est bon, c'est mauvais, c'est bon, c'est mauvais. Je t'entends te prendre
Merci Seigneur. Nous plaçons de chaque maintenant entre de tes mains. Nous te laissons toute la place. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes en place? Amen. 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 Je demande parce que tout à l'heure, je ne vous ai pas senti. Et je suis sorti, même de m'arrêter ici pour voir si vous êtes là. C'est ça. Un. Les choristes n'est pas bien chanté. Deux. Le pianiste se fait. Je ne sais pas s'il est entre accompagnement ou bien jouer le piano. Trois. L'assemblée était absente. Vous êtes venu accompagner les autres ou que vous êtes venu adorer. Si quelqu'un me dit qu'il ne connaît pas les cantiques, celui-là va le faire de la répète. Il ne peut pas être dans l'assemblée sans connaître les cantiques de l'assemblée. Amen. Si tu veux qu'on vous apprend ça au tableau. Vous avez démissionné. Ce n'est pas une adoration comme ça qui entraîne l'entrée en scène du roi de gloire. Il rentre au cri du triomphe avec des chants d'allégresse, avec des acclamations. Amen. Mais vous avez été absent. Amen. J'espère que vous avez lâché. Amen. Alors, on va prendre un cantique avant que je continue. Amen. Tu nous prends Dieu Tout-Puissant. S'il est le Dieu Tout-Puissant, on va le chanter avec vie et avec joie. Amen. Alors tout le monde se met debout. Que le nom du Seigneur soit béni. Les acclamations pour le Seigneur.
allez vous asseoir. Vous n'êtes pas dégagé. Chantez, donne de la joie. Chantez, donne de la force. Chantez de mettre dans une position de victoire. Amen. Les rues de Jéricho, ce n'est pas prédication. Ce sont des championnats des cœurs sincères. Parce qu'ils étaient dans l'attente d'une victoire. Par les cantiques, les rues sont écoulées. Parce que Dieu était dans le camp. Amen. Quand ils chantent, les soucis disparaissent. Les démons sautent. Amen. Quand ils ne chantent pas, c'est que ça ne va pas. Amen. Tu es dans la joie, la Bible dit, donne des cantiques. Amen. Amen, c'est ça. Amen. Quand les ténèbres viennent, on donne des cantiques. Amen. 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 Ça disperse les choses. Amen. Et puis ça te maintient dans la bonne position. Il dit, tu ne passeras pas par moi. C'est pas sur moi que tu vas envoyer des rides. Moi, je suis un homme joyeux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez le shalom du pasteur Charles Philly de Kourougou. Ce matin, il m'a dit de vous transmettre mon shalom. Également, vous avez le shalom du pasteur Dieu à Narcisse de François. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, nous sommes contents. On a le, notre précieux frère Josué, ministre de Dieu. Il est avec le pasteur André. Voyez, dans nos petits pas de début, on était ensemble. Amen. Voyez, il peut se lever. Il est avec sa sœur épouse. Il peut se lever aussi. Venir avec son épouse. Ouais, elle va venir faire un coup ici, et puis on va la voir. Il y a tellement mangé de poisson, de crevettes. Ouais, c'est ça, c'est l'épouse. Vous ne la connaissez pas? Si vous ne la connaissez pas, vous ne connaissez pas Sœur Daniel. Vous ne connaissez pas Sœur Manoé. Amen. 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 C'est là que lui, il est allé faire sortir ça. Amen. Amen. Que le nom de Sœur soit béni. Les hommes là, ils ont des super saints. Ah, que Dieu bénisse. Amen. Nous sommes heureux de les avoir avec nous. Bien. Shalom à la force de Christ. Vraiment, je suis très heureux d'être venu de vous ce matin. Tout ce que j'ai à vous dire ce matin, vous êtes heureux d'être sous le ministère du pasteur Timothée. Amen. Je le dis en connaissance de cause. Je ne vous flatte pas, je ne vous flatte pas. Amen. C'est pas qu'elle va vous placer, c'est un ministre établi. Amen. Mon épouse, son vrai nom, c'est Hélène. Amen. À l'état civil, j'ai ajouté Esther, c'est lui qui a mis le mur Esther dessus. Je ne vais pas parler beaucoup. Tout ce qu'il a demandé, soutenez-le. Respectez tous les officiels. Amen. Et Dieu vous bénira. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur bénisse nos serviteurs. Amen. C'est ça les paroles de l'homme. Amen. 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 On était jeunes, maintenant on vieillit. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.
Il n'y a pas vieux là-bas. Il n'y a pas bébé là-bas. On a toujours des jeunes. Donc, que ici j'ai des rides, des cheveux blancs, ça ne veut dire absolument rien. Et parce que mon esprit n'a jamais vieilli. Amen. 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 Un homme, peu importe, il mûrit, il grandit en sagesse, mais son esprit ne mûrit pas. Son esprit reste terre. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais vous dire merci. Merci pour votre mobilisation. Amen. Merci pour tout ce que vous avez fait. Amen. Voyez, nous sommes passés par beaucoup de preuves. Amen. En un si petit moment. En un laps de temps, nous avons affronté beaucoup de situations. Et vous ne vous êtes pas laissé ébranler par quoi que ce soit. Vous avez tenu bon. Vous avez, voyez, fait ce que un soldat devait faire, être à son bon devoir, peu importe les balles qui sifflent à gauche à droite. De toute façon, dans ce corps, on est là pour un combat. Amen. On a l'assurance qu'on ne peut jamais être vaincu, mais ça n'est pas qu'on ne peut pas prendre de coups. On prendra les coups, mais on ne tombera pas. Voyez, tu n'attends pas que tu frappes un coup, ça te fait mentir un peu, mais quand tu t'es redressé là, celui-là c'est fini pour lui. Donc chacun joue son rôle, mais nous avons le bon rôle. Amen. On est dans un film où le chef bandit ne veut pas tuer bouler à la fin du film. Le bras même, si on l'a frappé au début, à la fin, il va tuer tout le monde. Amen. Et comme nous sommes les braves, que ce soit en soeur, en frère, que ce soit ce que ça nous frappe, mais on sait qu'à la fin, on va tuer tout le monde. Amen. Mais c'est le Seigneur qui a été écrit à notre sujet. Amen. Donc, je voudrais vous dire merci. Dieu, par sa grâce, a permis que nous puissions cacher le corps de son poing. Beaucoup de courage à notre sœur. Voyez, on m'a dit qu'elle est là. Voyez, ah. Tout à l'heure, à la fin, les anciens et moi, on va prier pour elle. On ira prier pour elle. Ça peut être ici, ça peut être là-bas, peu importe. Mais on va prier pour elle pour la placer dans la position qu'il faut. Voyez, afin de contrer toutes les autres influences. Mais que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa main soit sur vous. Amen. Et soyons solidaires. Amen. Restons unis. Amen. Épaule contre épaule. Peu importe l'adversité. Soutenons-nous les uns les autres. Financièrement, matériellement, spirituellement. Voyez, comme l'a dit notre prophète de Abraham, la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Et je vous dis merci. Les anciens et moi, nous disons merci. Voyez, le combat continue. Amen. Voyez que dans le même laps de temps, l'ennemi a frappé partout. On a notre bénédiction. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, il serait mort. Parce que l'appendicite a éclaté dans son ventre. Voyez, pour qu'il vous laisse le message, si vous avez lu la foi et l'assurance, vous voyez ce que le prêtre a dit à cette jeune fille. On n'aura pas le temps d'aller à l'hôpital, parce que ça va éclater et tu vas mourir. Voyez, Dieu a utilisé sa servante, voyez, la sœur Jonas, qui a été prompte et qui a été dans tout le combat. Voyez, pendant une semaine, elle monte, elle descend, elle est là aux cheveux, comme son bébé. Actuellement, c'est elle qui est là-bas encore. Elle devait descendre, elle est là-bas. Voyez. Même ce que même notre papa biologique, même maman biologique ne ferait pas. Elle est là-bas. Elle est là-bas. Elle dort. La frapper à toutes les portes.
voyez, et Dieu a travaillé. L'ennemi voulait rentrer encore dedans. Si le vrai n'est pas encore sorti, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de combats. En une semaine, il a été opéré deux fois. Mais Dieu, il est Dieu. Amen. Voyez, il t'attend ici, il t'attend là, mais la victoire est pour nous. Amen. Au moment où on faisait le mariage, le même jour du mariage de l'ancien, voyez, Paul a perdu son enfant. Mais il m'a appelé, il a dit, pasteur, il a dit, pasteur, je ne veux pas que ça gâche le mariage. Donc, on laisse comme ça. Et ça, c'est avec les anciens qu'on a géré, c'est pendant le mariage qu'on a appelé l'enfant. C'est pas un moment donné, il a disparu, on a pris mon petit frère pour le remplacer. Parce qu'on gère ça depuis le matin. Vous voyez? Mais il fallait qu'il soit là pour assister à l'entraînement de son fils. Donc, c'est pourquoi il est parti et il est venu comme rien n'était. Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait une mauvaise nouvelle qui va perturber son frère qui se marie. Amen. Amen. Vous voyez, c'est de l'amour. Amen. Il a tant sa douleur pour que son frère soit pas triste. Amen. 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 Où on va trouver une telle famille? Amen. Amen. C'est pourquoi ne regardez pas les petits désagréments, même la dent et puis la langue là. Parfois, le plus faible, c'est la langue, celle qui subit. Mais pourtant, il ne va jamais dire que je ne vais pas donner le sens de, voyez, de la nourriture. Il va toujours donner le goût. C'est mauvais, c'est bon, c'est mauvais, c'est bon, c'est mauvais, c'est bon. On apprécie ça. Pour que le corps soit en bonne santé. Amen. Mauvais, on jette. Bon, on prend. Mauvais, on jette. Mais quand la dent, celui qui donne le sien, puis la dent mange. Oui. S'il dit c'est mauvais, on l'a jeté. Oui. Voyez? S'il dit c'est bon, alors il dit la dent, tu peux marcher. Mais c'est la dent qui le plaît toujours. Amen. Mais ils sont toujours ensemble. Amen. Donc, peu importe les agréments, ça fait partie de la marche. Amen. Ça ne veut pas dire que mon frère ne m'aime pas. Ça ne veut pas dire que ma soeur ne m'aime pas. Amen. 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 Mais on doit avoir plus d'amour quand ces choses arrivent pour surmonter ces choses. C'est d'ailleurs pas difficile qu'on voit le vrai sentiment exprimer. Amen. Amen. Le frère, la soeur, et si moi je ne parle pas, ils ne sauront pas ce qui s'est passé. Oui. Voyez. Mais ils ne savent pas que leur frère n'a pas voulu qu'ils soient tristes. Et on n'a pas amené tout le monde parce que sur les gens ne vont pas faire le mariage comme chez toi. Oui. Les anciens étaient informés. On a géré comme s'il n'y a rien. Et en réalité, il n'y a rien. De toute façon, un enfant, il n'est pas perdu à tout le monde. Le tant qu'il n'arrive pas à l'âge où il peut le bien ou le mal, il ne peut pas aller en enfer. Amen. Il est sauvé, peu importe où il vient. Amen. Il est sauvé. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc quand on voit ces choses-là, on doit se resserrer davantage les coudes. Amen. Et on doit supporter. Si c'est mon frère, c'est ma soeur, ce que je peux faire de bon, je le fais. Amen. Je ne suis pas arrêté des coups pour ne pas qu'ils subissent, je dois arrêter ça. Amen. 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 Nous sommes là pour nous protéger les uns les autres. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, je vous remercie infiniment. Amen. Parce qu'on va le Seigneur. Avant que je commence, notre soeur Daniel a un très bon témoignage. Amen. Dieu a travaillé puissamment. On va lui laisser le temps. Elle va nous dire ce que Dieu a fait. Et nous allons passer à la parole. Amen. Soeur Daniel. Amen. Amen. Que Dieu bénisse notre pasteur. Amen.
avant parce qu'il les éternise. Amen. Dieu est bon. Amen. Ça va être tout parce que même cette fois-ci, je veux venir ici. Amen. Parce qu'il a fait. Je vais parler d'un truc avant de rentrer dans le sujet. Le vendredi, si ça me dit. Vraiment, quand je n'ai plus parlé, j'écoute les bancs ou bien j'écoute les manches. Donc le vendredi, par exemple, je dis à 6 heures, je me suis déjà revenu à 6 heures. Puis je suis venu me coucher encore sur mon lit. Un coup, le sommeil m'a volé, je n'ai rien coupé. Et dans le son, je me suis trouvé, c'est comme si j'étais un Dieu. Et on riait de tout. Je venais, le son n'a pas duré. Je marchais pour venir, c'est comme les gens qui vont en attirer là. Puis j'ai vu des poissons. Ils ont déjà grillé les poissons là. Mais ça y partait. Puis je suis venu, non, c'est pas normal. Il y a encore eu le feu, puis les poissons là sont partés. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, les poissons sont gâtés. Il dit non, ça ne se passe pas comme ça. Et j'ai commencé à remettre les poissons là dans l'huile. En même temps, j'ai bien servi pour le vieux Kevin. Il a imposé les noms aux poissons. Puis moi, il dit, c'est mangeable maintenant, tout le monde peut manger. Amen. Puis je me suis réveillée, j'étais contente, je suis partie dans la douche. Le pasteur Marc. Le pasteur Marc. Donc, je suis réveillée. J'étais contente, mais je ne comprenais pas. Moi, quand j'ai fait un songe, je ne comprends pas, je suis un peu inquiète. Je me suis assis en bordure de mon lit. Je dis, oh Seigneur, ça c'est quoi ça encore? Poisson qui est déjà grillé, bien comme ça, puis c'est sol que nous on aime. Donc, sur les champs, moi j'aime, depuis la technologie a évolué un peu, j'aime lire ma Bible dans mon porte. Quand la voix m'a dit, il ne faut pas prendre ta Bible, il ne faut pas prendre le portable. Puis j'ai déposé, puis j'ai pris ma Bible. Moi j'aime fermer avant d'ouvrir. Il dit, Seigneur, si c'est toi qui parles, comme il. Je suis tombée sur Esther 9. La voix m'a dit, commence à lire du 10 au 17. Où le roi Assuri est venu vers Esther pour l'annoncer. Puis il a dit, demande-moi ce que tu veux, je vais t'accorder. Okay. J'ai crié de joie. Puis j'ai envoyé le vocal au Saint Marc lui-même. Il dit, Seigneur, je continue de prier pour toi. Il dit, Dieu, merci. Donc, le combat a commencé le lundi où on devait annoncer les résultats. J'étais au chute des 13 vies. J'étais au chute des 13 vies parce que mon grand frère que je suis, il est malade. Donc, j'ai même vu le frère Yann là-bas. Et vraiment, il m'a aidé beaucoup. On a fait les examens. En même temps, une fois qu'il me disait, aujourd'hui, c'est les résultats. Hein. Il dit, ah, c'est vrai. Hein. Et puis là-bas, il me dit, si ta fille échoue, tu as fait comment? Il dit, ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, il va me restaurer tout ce que j'ai perdu. Donc, je ne sais pas comment il va faire. Mais moi, je suis sûre que même si on m'envoie le papier, c'est négatif. Lui-même va s'en occuper. Et à ma grande surprise, j'étais encore au chute. Il est 14h et quelques. J'entends les élèves qui criaient, les mères des familles qui criaient. J'ai dit, j'ai pris mon portable pour voir pour moi. J'ai vu que ma fille m'a déjà appelé plusieurs fois. Puis j'ai dit à une dame, ah, ma fille compose. Elle dit, c'est ta vie t'appeler, c'est que ça a marché. Je dis, ah, que Dieu t'entendait. Moi-même, j'ai cherché une idée pour appeler. Je l'appelle. Elle était en larmes. Vraiment. Je dis, grâce à quoi? Je dis, maman, on dit j'ai fraudé. Elle dit, tu as fraudé. Hey, ça veut dire quoi même? Elle dit, on dit. J'ai eu fait fraude. Je dis, oh Seigneur Jésus, ta grâce. Et je partais, je suis parti récupérer les résultats, je partais. En même temps, mes langues voulaient se plier. Mes langues voulaient se plier, je cherchais les lotus là, les vendeurs. Je l'ai pris. Puis il dit, Satan, je ne peux pas te donner une telle gloire. Parce que si je coule les langues, tu as eu la victoire. Je ne vais pas plier. Et je me suis ressaisi. Quand je me suis ressaisi, il dit, tu es où, grâce? Elle dit, je suis partie voir un papa. Il dit, il faut te ressaisir vite. Ressaisis-toi. Je suis encore au chute. Quand je vais venir, on va voir ce qu'on va faire.
papiers de fraude. On vient la faire fraude en LV2, la langue allemande. Motif de fraude. Parce que toutes les parties sont là. Hein. On va y procéder ici. LV2. Ma fille n'a pas été classée. Elle est sortie 0-0. Même pour l'école, elle est sortie 0-0. Je lui ai dit, maman, sur le chien, elle a appelé sa grand-mère Jacqueline. Sa grand-mère était en larmes. J'étais encore au chute. Maman m'a appelé. Je lui ai dit, il faut arrêter ça. Tu es la grand-mère. Moi-même, qui est, je suis la maman. Je ne suis pas encore faible. Le Dieu que je sais, voilà. Tu ne peux pas répondre. Parce que je ne sais pas pourquoi la voix m'a dit matin que si ça venait, tu vas faire comment? Je lui ai dit, Dieu lui-même va s'en occuper. Et si Dieu veut me prouver, que la gloire lui revienne. Donc, il faut cesser tes larmes là, pour pas me mettre tristesse. Parce que le cas même dans lequel je me trouve à l'hôpital là, celui qui est malade aussi, ne se sent pas bien. Donc, il faut arrêter ça. Elle dit, j'ai compris. Elle dit, ma maman, tu n'as pas assez de foi pour croire que le Dieu que nous servons peut tout faire. Donc, il faut me donner le courage parce que c'est moi qui ai la maman. Tu connais mes épreuves. Je suis la mère, le père. Mais Dieu a un plan. J'ai levé ma main, Dieu en est témoin, les deux mains où je suis. Je louais mon Dieu. Voilà. Je disais, Seigneur, je te loue. Seigneur, je te bénis. C'est tout ce que tu as trouvé pour me donner, Seigneur. Que le nom, ton nom soit loué. Que la gloire te revienne. C'est parce que c'est bon que tu m'as donné. Que la gloire te revienne. Et on a fini. On n'a pas fini de sortir au chou. Quand je suis sorti, il était déjà 19h. Le temps de prendre vécu pour arriver. Quand je suis arrivée, tous mes voisines me regardaient. Qui va me poser des questions? Parce que je n'ai pas pu dire de faire camaraderie. Bonjour, bonsoir, puis je rentre. Donc quand je suis entrée, elle n'était pas encore venue. Je me suis douchée, soutrée. J'ai pris mon poste. J'ai mis tellement la chanson, il dit, Seigneur, que pourrais-je te dire? Reçois la gloire. Amen. J'ai commencé à louer à mes enfants. Quand grâce est venue, il dit, grâce, donne-moi ta main. Je l'ai fait à la grâce. Tu as bien travaillé. Amen. Toi, tu as fait ta partie. Lui que nous servons, oui. Là-bas, lui est venu. On a loué, loué. Frère, je ne loue pas comme ça à l'église. Oui, j'ai loué. J'ai loué, je parle. Les voisines me demandent qu'est-ce qui se passe. Le lendemain, je suis sorti de la maison. Elle me dit, grâce, maman. Grâce à lui, hein, j'ai dit elle à lui-même. Amen. J'ai dit grâce à tous ceux qui vont te poser la question, confesse le positif. Amen. Même si tu ne passes pas Jonas, il faut que tu dis j'ai eu. Il ne faut pas vous faire de quelqu'un, c'est ce que tu vas déclarer là. C'est si on va marcher. Amen. Comme j'ai dit papa, parce que papa en face de nous. Amen. Donc j'ai pris ma route, on devait aller faire la réclamation. Quand je suis arrivée dans l'école, j'ai appelé son répétiteur. Bien avant, quand j'étais au CHU, il a dit à son répétiteur, il a dit grâce, va voir ton répétiteur. Et puis lui, il va me dire ce qu'il va faire parce que je ne connais rien. Je suis encore au CHU, je ne sais pas à quel moment. Quand il est arrivé là-bas, il a crié, il m'a appelé, il dit grâce au moment. LV2, Oran, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Il dit, tonton, si, si, je peux faire quoi? Il dit, il y a une réclamation à faire. J'ai dit, je ne sais pas comment faire, mais toi, tu vas m'aider. Il dit, je vais faire campagne d'évangélisation. Il dit, tu vas laisser ça pour m'accompagner d'abord. Dans le matin, on a pris la route, on est parti dans le... Les jurys sont arrivés. Tout le monde parle, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il dit, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est que celui-là que j'ai servi, c'est ce que j'attends. Et je rentre dans l'école. Ils ont mis le nom de ma fille en grand caractère. Il faut être mère pour supporter qu'elle a fraudé. Donc j'ai dit au professeur, il dit, donc elle est devenue fraudeur depuis ça. Ah, parce que nous, on n'est pas parti jusqu'à là-bas. Hein. Quand on dit fraudeur là-bas, nous, on sait que c'est les gens de bus là. Et puis ils ont commencé à aller. Le jury a rempli les papiers, il m'a donné. Quand je suis venu à la maison, il dit, oh Seigneur, j'ai fait ce qu'il faut faire. Mais comment faire le reste? Parce qu'aujourd'hui là, beaucoup sont partis faire réclamation. Et puis dans les dires des professeurs, ils disent que souvent on jette les papiers là-même. Ça n'arrive pas là-bas. Toi, nous reviens pour moi.
je me suis dit, quand je suis venue à la maison, j'en ai appris. À chaque fois qu'il mettait en prière, puis j'ai dit, bon, j'ai appelé son pasteur comme frère. La chapelle est prise. J'ai appelé le pasteur, il dit, c'est Daniel. Ta petite soeur vient de m'informer. Moi-même, je suis là pour parler de ça. Il dit, papa, c'est vrai. Mais on fait comment? Parce que je ne connais pas quelque chose. Il dit, tu connais telle soeur? J'ai dit, oui, je la connais. Je suis en bonne, parfaite communion avec elle. Il dit, pour l'appeler. Il dit, papa, je ne l'appelle pas. Hein. Je vais jusqu'à chez elle. Amen. Ainsi que je suis arrivé chez la soeur. Elle a porté quelqu'un à la dépôt. Le monsieur l'a expliqué au téléphone. Le monsieur dit, non. Ce n'est jamais ça qui ne fait pas. Lui, il ne comprend pas. Donc, il a balancé ça au monsieur. C'est parti. Il dit, va nous rappeler. Dans 10 minutes, il nous a rappelé. Il dit, est-ce que ce n'est pas un écrit qui veut dire? Il dit, tout dépend de vous, parce que moi, je n'ai pas fait grande étude. Hein. Et puis, il dit, le lendemain, mercredi, ça devait finir à 14h. Quand je suis venu à la maison, j'ai dit, on est dans un combat. À minuit, frère, je n'ai pas. Parce que j'aime prier pour famille et mes enfants. Prier d'abord, on a fini de prier. Je lui ai dit à minuit, nous tous sommes venus sur la grâce. Je les ai réveillés. On a fait l'oration. On a fait la repentance. Parce que nos enfants-là, il ne faut pas compter sur eux. C'est des jeunes filles. Dis, est-ce que tu n'as pas laissé la porte à un ennemi? Parce qu'il faut que je te dise la vérité. Parce que si l'ennemi doit me frapper, il ne va pas passer par moi. Mais j'ai posé avec elle, dit non. J'ai dit, si tu es sincère, on va faire la repentance, on va faire la demande, on va faire la théologie, et puis on va signer, on va valider. Dieu doit agir. Et vraiment, on a terminé ce qu'on peut faire. On était jusqu'à 2h. On n'était pas fatigué. Et puis on a fini ça. À 10h, le monsieur, on va le croiser. Lui-même, il est venu en personne. Il dit, ça ne se fait pas. Il y a des cas qui ont été rejetés. Il dit, moi, mon Dieu, je peux tout faire. Amen. Je lui ai raconté les témoignages. Je lui ai parlé de la petite, même avant qu'elle n'ait pas composé. Elle a fait des songes. Où elle a eu son bac, mais sa collante est restée chez sa voisine. Je ne sais pas pourquoi. Mais Dieu peut tout faire. Amen. Il dit, il va aller, il va voir son supérieur. Il a pris, mais il dit, on arrête à 14h. Il dit, Dieu est au courant. C'est dans ça qu'il a pris les papiers. J'étais toujours en prière. J'ai sauté beaucoup parce que je n'ai pas force de me tenir. Donc on a prié. Le même vendredi passé où les pasteurs sont venus prêcher, je suis retournée encore au CHU pour un autre problème. Mon grand frère, c'est de là-bas que je venais. Il y a un qui m'a appelé. Il a dit, madame, ta fille a été validée. Résultat m'a dit qu'il arrive. Et mais elle a ce qui m'a réjoui dans le film, quand le monsieur est venu nous croiser, on n'a pas parlé d'argent, il a dit ce qu'il voulait, on lui a donné. J'ai appelé son pasteur, il dit, pasteur, est-ce que l'histoire est courante? Il dit non, nous sommes dans un monde comme ça, il faut les donner. Et le monsieur sur le chemin me dit, si ta fille n'a pas eu bac là, on ne peut pas mettre fraude. Il dit, mais pourquoi? Il dit, si elle n'a pas eu bac, on ne peut pas mettre fraude. Il dit, en bon, le mot que vous avez dit là, c'est aussi ça que moi je me tiens. Donc quand je suis venu, on est toujours en prière, on est toujours en prière, on est toujours en prière, par la grâce de Dieu. Le jeudi nuit, je suis rentré, il dit, papa, aujourd'hui la même me fait mal. Le son n'a pas duré. C'est comme, j'ai vu des corps habillés qui marchaient. Mais moi, je voyais tout ce qu'ils faisaient. Pas des corps à bien gravé, des officiers comme ça. Mais tout ce qu'ils faisaient, je voyais. Un coup, je n'ai rien compris. C'était ce qu'ils les contenaient. Chez nous, on dit titan. Chacun était arrêté à côté, comme si ils se sont fait quelque chose de mal. Mais les chefs étaient arrêtés en haut. Un coup, quand j'ai vu ça, je ne peux pas dire la vérité. C'est comme s'ils étaient à un sommet. Et puis, j'ai dit, ils vont me voir, puis je me suis couché comme ça. J'ai regardé le ciel. Il y a encore un vieux qui est venu, il dit, toi tu es venu faire quoi ici? Tu es venu déchouer nos programmes. Tu es venu déchouer nos programmes. Et je ne sais pas comment l'âme est. Il a pris le bout de l'âme, il a mis sur mon bras gauche. J'ai crié dans le songe.
J'ai crié, j'ai dû chouer quelques hommes. Ça me fait mal. J'ai dû le poulain me brûler jusqu'à quand je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai amené son corps à son petit père et mon grand frère, parce que j'étais en communication avec eux toujours. Quand je suis arrivée au chute de 13 juillet, je revenais, il m'a appelé, il dit madame, ça a été validé, ta fille a eu le bac. Amen. C'est pas parce qu'on lui a donné de l'année, mais le mardi, ou bien lundi, si c'est pas férié, tu vas venir prendre la commande. Elle a bien travaillé. Amen. Donc hier, il était parti dans l'école. On dit le classe, elle est sortie zéro. À l'école, elle n'a pas travaillé, mais elle a eu 13,12. Amen. Donc j'ai béni le Seigneur. Tu n'as pas acquis tout d'abord parce que. Lui m'avait dit, elle a eu en 217, plus je ne sais pas, mais tellement j'étais contente, il n'est pas chichi à ce qu'il voulait dire. Acclamons le Seigneur. Voyez, c'est pas que dans le collégien, ce sont ses profs. Et elle a travaillé. Voyez, elle a travaillé. Ce n'est pas qu'elle a été réfléchie, elle n'a pas été réfléchie. Elle a bien travaillé. Vous voyez? Comme notre frère Arnaud, il va nous apporter la parole, il est aussi professeur, il fait partie, il va nous expliquer un peu, et il va continuer. Alléluia. Amen. Le nom de Seigneur soit béni. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Pour sa main puissante, sa grâce, il a manifesté à l'égard de la fille de notre soeur. Amen. Amen. Et je crois que c'est vraiment la grâce du Seigneur. Parce que une faute en droit, vous voyez, c'est pas possible. Et par les motifs, ils ont des copies semblables. Or, en droit, je crois qu'il n'y a pas de copies. Il n'y a pas de copies. Et comme on peut dire de la folie. En oral. Et par les deux cercles, dans les salles, j'ai des copies conformes. Et quand c'est comme ça, généralement, quand les gens corrigent une fois, deux fois, trois, quatre, cinq, pour avoir copies semblables, on ne corrige même plus les autres. Donc ils ont cherché des choses de l'objet oral. Et ce qu'il a dit, c'est vrai, parce qu'on ne peut pas mettre faux sur ta feu si tu n'as pas eu le mal. Oui. Généralement, c'est comme ça. Et généralement, quand les gens font les réclamations, ça n'aboutit pas. Parce que quand on voit fraude directement, on ne cherche même pas même à s'occuper de ce cas. Voilà. Au moins, si c'est par exemple, tu as eu un certain point, si tu es par exemple, 198, tu peux aller faire la réclamation pour dire que bon, on va sortir le feu à son père, soit en France c'était 25 000 feu, c'est pas cinéma, c'est combien. Et on fait sortir le feu et on regarde, on voit un conseil qui essaie de corriger. Mais quand c'est faux, on cherche même pas même à s'occuper de ton cas. Mais je crois que la prière a changé la situation. Vraiment, je suis vraiment reconnaissant au Seigneur. Amen. Parce que je crois que c'est lui qui est intervenu. Amen. Et parce que sa fille, je la connais, elle était au Wattilé. C'est une fille très bien. Et Dieu a écouté la prière de sa servante. Amen. Et il a honoré cela. Amen. Vraiment, clairement fort le nom du Seigneur. Alléluia. Et je suis reconnaissant parce que déjà le témoignage même nous amène quelque part. Amen. 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 Vraiment, je suis très reconnaissant. Et je crois que cela va même avec le message que je vais apporter ce matin. Amen. J'aurais voulu apporter un message
su le fait de mourir dans le su, mais le Seigneur l'a conduit autrement. Amen. Amen. Et nous allons également nous tenir debout. Et nous allons dans ce chant changer. Et passer à la parole. Oh, je l'aime. Oui. Cette parole et les planter dans nos âmes afin que cela puisse produire des résultats. Amen. Je prie que tu puisses me établir le chemin. Amen. Et que tu puisses parler avec tes enfants. Amen. Est-ce que l'omnipotence puisse s'exprimer ce matin? Quand l'omnipotence parle, alors le miracle se produit. Amen. Bénis chacun de nous, Seigneur. Amen. Bénis ta parole qui sera à nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre nos billes. Nous allons lire. Je vais demander au pasteur de faire la lecture. Zacharie 14, verset 7. Zacharie. Alléluia. Amen. Ce jour, ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Et il ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Amen. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaud. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes. Amen. Des préceptes. Des ordonnances, des ordonnances plutôt. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays
elle est dans l'antichambre. Jean 12, Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. Alléluia. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, Amen. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole Amen. Et pour les soins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Quoique c'est un grand privilège que Dieu nous accorde d'être encore dans sa présence. Amen. 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 La Bible déclare qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Amen. 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 La Bible dit que c'est bon lui qui descend sur la terre d'Aaron, descend sur la barre et se répand sur le bord de ses vêtements. Amen. C'est ainsi que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et vraiment que Dieu soutienne l'Église. Amen. Amen. Qui passe par des moments difficiles. Amen. Mais nous croyons que, Amen, Amen. Ces choses font partie du plan de Dieu. Amen. 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 On a dit tout marche comme prévu et rien ne fera défaut. Amen. Que Dieu soutienne nos soeurs. Amen. Amen. Que Dieu la fortifie. Amen. 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 Et qu'elle reprend davantage du courage. Amen. C'est lui qui est le seul consolateur. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors ce matin, j'aimerais parler d'un petit sujet. Les résultats du message au temps du soir. Amen. Les résultats du message au temps du soir. Amen. Amen. Apporter le message pour encourager le peuple, pour fortifier l'Église. Amen. Amen. Et nous sommes au temps du soir. Amen. Avec les fins de soir, la lumière paraîtra. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, je tire mon inspiration en commençant par la coutume. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Prêcher le 18, 7e mois 65. Au paragraphe 177. Amen. Amen. Fondant dit, la parole, le message du soir, toi produit des résultats du soir. Amen. Je permets un amen. Je crois que nous ne sommes pas à la mort ici. Non. Nous ne sommes pas dans un funéral. Non. Nous sommes dans l'assemblée du Dieu vivant. Amen. Et la Bible dit hein, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Et s'il y a la vie en nous, on doit ressentir cela par votre réaction vis-à-vis de la parole du sort. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Fondamentalement dit, la parole, le message du soir doit produire des résultats du soir. Amen. Et ce message que je prêche ce matin, c'est en fonction de ce que le pasteur avait abordé dans le réveil au Shalom Tabernacle. Amen. En parlant de la parole, au commencement, Amen. La parole aujourd'hui. Amen. Et vraiment, ça va aller dans ce même sens. Amen. 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 Parce que nous sommes au temps de la manifestation de la parole. Amen. Alléluia. Et l'Église du Dieu vivant doit s'exercer. Amen. Parce que nous sommes en train de nous approcher de quelque chose de glorieux. Amen. Et chacun de nous ici, réellement s'exercer dans la manifestation de la parole. Amen. 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 Nous ne pouvons pas réellement tout le temps nous morfons. Nous avons un message. Amen. Je donne la main. Amen. Et aujourd'hui, oui. Dieu nous a visité. Amen. Dieu a quitté son trône. Amen. Et il est descendu, non pas dans le vent, des êtres humains. Amen. 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 Et il doit y avoir la manifestation de la parole. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen.
passé à Bordeaux au Charles Canada. Il n'a pas vraiment, ils n'ont pas donné le temps pour rentrer vraiment dans les éléments. Mais le peuple qui l'a donné, frère, c'est sur la chaîne. Allez écouter un peu. Bon, ce matin, j'ai écouté encore après ma famille. Amen. Des choses ont été dites. La parole au commencement, la parole aujourd'hui. Il entend la parole et vous êtes la parole aujourd'hui. C'est que ça produit le amitié et c'est que toi se produit autant que soi. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Amen. Il dit un frère, le spectacle du milieu, c'est seulement ce qu'on te voit et qu'elle te rassure. Elles sont vendues en pays. Mais le message du temps du soi révélera la lumière du temps du soi. Amen. Et il produira le résultat du temps du soi. Le temps de Jésus, le message du midi, a produit des résultats du midi. Faut le dire, à midi, c'était le temps de Jésus. Et cela a produit des résultats du midi. Je vais dire amen. Il est le message du commencement. Amen. C'est-à-dire le matin. Alléluia. Le temps du midi, c'était le temps de Jésus. Amen. Et il y a eu des résultats au temps du midi. Amen. Et pour nous, le message du commencement a produit les résultats du commencement. Amen. Et quel était le résultat du commencement? C'était la création. Alléluia. Amen. Il a créé son fils à son âme. Fait le soir, il lui tient une pousse. Alléluia. Voyez-vous? Le commencement, le message du commencement a eu les résultats du commencement. Amen. C'était la création. Amen. Le message du midi a eu les résultats du midi. Amen. Et c'était au temps de Jésus. Amen. Et le message du soir va produire les résultats du soir. Amen. Alors, au commencement, qu'est-ce que c'était? Ben, nous allons le savoir. C'était la création. À partir de rien, je t'entends, il n'existait rien. Dieu, qui était le grand Elohim, la grande fontaine vivante, à cette couleur. Alors, quand on pêche, question de mon sujet,
Il dit, cette grande fontaine vivante, dans cette forme, ne pouvait pas créer. Tu l'as vu? Alors il a pris la forme du locuste. Faut venir se sentir les théologiens appelés le locuste. Il dit, ce petit talon, je t'en donne la main. Essayez d'amener nos foi quelque part. Amen. Amen. Nous sommes au temps du soir. Amen. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Amen. 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 Et à Shalom. Amen. Donc, on est tous d'accord que le message du commencement a produit le résultat du commencement et c'était la création. Amen. Il n'existait rien. Oui. Dans le néant. Par la parole, la chose est venue à l'existence. Oui. Alors, Florent dit dans Shalom, prêchez le 12, 1er mois 64, au paragraphe 174. Amen. Amen. Il dit, mais, après vous remarquez, lorsqu'il a accompli son premier miracle, il parle maintenant de quoi? De Jésus. Amen. Il a pris de l'eau et l'a changé en vin. Amen. Est-ce vrai? Amen. Il a pris de l'eau. Qui peut-être potentiellement un jour aurait été divin. Mais c'était de l'eau premièrement. Et lorsqu'il nourrit 5000 personnes, quand il fait, il a pris quelque chose qui existait contre eux. Il a pris un poisson qui, une fois en action, est gêné d'un œuf et l'a brisé. Et un autre poisson a cru sur la création qui était la création originale. Il a pris du pain qui était une fois du pain
semence et qui est devenu du pain. Et il a brisé ce pain et la création s'est simplement multipliée. Amen. Donc les résultats du temps du midi, oui. Foi dans l'Église, ce n'était pas la création. Amen. Oh, j'entends pas. Amen. Suivez peine. Amen. Foi dans l'Église, Jésus à son temps. Amen. Amen. Dit Amen. Amen. Il dit, il avait crié un coup. Amen. Parce qu'il voulait écouter Jésus. Amen. 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 Et dans de cette campagne, alors que Jésus avait fait la grande campagne, le peuple était là et ils avaient faim. Jésus a dit aux disciples, donnez-leur à manger. Oui. Amen. Amen. Parce qu'ils n'avaient pas réellement sincèrement. Non. Alors il a dit, qu'est-ce que vous savez? Ils ont dit, nous avons un petit garçon ici. Un écolier. Amen. Qui a deux pains et cinq poissons sur le compas. Amen. Alors il a pris le pain. Voilà que tu es tant du pain. C'est un élément qui existait. Amen. Et il a multiplié. Amen. Donc, le résultat à du temps de midi, c'est la multiplication à partir de quelque chose qui existait. Amen. Ce n'est pas la création. Amen. C'est maintenant. Amen. C'est maintenant. Amen. Donc chacun
la multiplication. Oui. Il dit, mais dans le bois, il n'y avait là-bas rien. Amen. Pour faire un écrin. Il a brisé et il a multiplié. Amen. Mais maintenant, oui. Dans les derniers jours, amen. Lorsqu'il revient parmi nous, quand il est descendu dans sa chair, alléluia. Le même créateur, oui. Mais il a utilisé des éléments qui étaient déjà créés, amen. Et il a multiplié. Amen. Maintenant, il fait sous cette forme glorieuse. Amen. Frère, c'est pas du chien. Amen. 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 Il nous laisse
Il dit ça, c'est une promesse. Le démon a tombé. Oui. Il dit, mais crier, ça relève de la nature qui est en toi. Amen. Il prit un poisson et le coupa. Et bien,
nous savons qu'il avait bien été créé ce pour son commencement. Il avait peur de bien créer ce pain au commencement. Mais il a pris ce poisson et l'a coupé. C'est comme un poisson vivant. Et il était à ce moment-là bouilli ou frit. Chaque fois qu'il le coupait, peu importe comment il était cuit ou bouilli ou frit, il repoussait à la minute même où Jésus le coupait, un autre poisson bouilli ou frit. N'est-ce pas merveilleux? Cela montrait qu'il n'était rien d'autre que Jéhovah. Amen. 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 Il était le créateur. Amen. Il pouvait prendre sa propre création et par sa création exprimer ce qu'il était. Amen. Alléluia. Amen. Cela a prouvé qu'il était ce qu'il était. Amen. Il était la divinité. Amen. Or, l'homme lui convenait dans le fond de à sa naissance. Il était la divinité faite chair. Maintenant, au paradis, il dit, j'ai voulu laisser glisser quelques points. Maintenant, moi, des ressorts de temps, je me dis, parlant de la multiplication, il dit, ouais, malgré ça. Amen. Amen. Il a pris un élément et il multipliait. Il dit, c'est en montant qu'il était à divinité. Il dit, maintenant, je vais essayer de laisser quelque chose glisser quelque part. Oui. Il dit, il n'y a pas d'étranger parmi nous ce soir, parce que nous allons parler aux sémences. Amen. Il va plus de choses. Il dit, je pense, ainsi dans cette réunion. Mais laissez-moi dire quelque chose. Amen. Est-ce que Jésus, lorsqu'il était ici, maintenant, ici, c'est pour une réflexion, maintenant, probablement, c'est plutôt pour faire un sondage. Remarquez, juste pour une réflexion, Jésus a dit dans Saint Jean 14, 12, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Et il en fera de plus grand que celle-ci. Amen. Car je m'en vais au Père. Avez-vous remarqué cela? Amen. Remarquez maintenant. C'était le Fils de Dieu promettant aux croyants que des œuvres plus grandes que celles-ci qu'il a fait. Amen. Dans ces derniers jours, amen, le croyant fera des œuvres plus grandes que celles qu'il a fait. Amen. Saint Jean chapitre 14 verset 12 est vrai. Amen. Croyez-vous que c'est Jésus qui a dit cela? Amen. Amen. Remarquez, lorsque Jésus a créé le pain, il a pris un morceau de pain et il a créé du pain qui avait déjà été du pain, pas la multiplication. Lorsqu'il a créé le poisson, il a pris un poisson qui avait été vraiment un poisson créé. Amen. Et il a produit un autre poisson à partir de celui-là. Est-ce vrai? Amen. Il a pris de l'eau. Ce qui va, qui est potentiellement allait devenir du vin, et il en a fait du vin. Est-ce vrai? Amen. Mais nous l'avons vu. Alléluia. Au milieu de nous. Amen. Dans ces derniers jours. Amen. Créer des choses. Amen. Sur le champ. Amen. À partir de rien. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il fera des choses plus grandes. Oui. Jésus a pris quelque chose. Ouais. Il a multiplié. Donc ça veut dire nous qui venons, ça, on doit aller au-delà. Oui. C'est ce que ça veut dire. Amen. C'est pas comment chaque fois il connaît ça à Jean 14 tous. Amen. Et il dit, croyez-vous que c'est Jésus qui a dit ça? Amen. Il dit, mais aujourd'hui, amen, dans ces derniers jours, nous l'avons vu créer des choses. Amen. Sur le champ. Amen. 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 À partir de rien. Oh, amen. Est-ce que amen, il peut créer un écureuil? Oui. Là où il n'y a point d'écureuil. C'est vrai. Amen. Il reste Dieu. Amen. Il est tout autant la divinité aujourd'hui. Amen. Qu'il le fait alors. Amen. Et l'a toujours été. Amen. Et il le sera toujours. Amen. Il est toujours Dieu. Amen. Et il invite les cœurs. Amen. Vous ferez des choses plus grandes. Amen. Que celle-ci. Amen. Sans qu'il y ait quelque chose à tenir. Amen. Ou à couper. Prononcez la chose. Amen. Et elle sera là. Amen. Marc a donné à dire à Jésus, oui, demande
chose, c'est si tu demandes quelque chose à Dieu, maintenant, mais. Oui, amen. 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 Et comment dit Jésus, amen, a fait exactement ce que Marc a dit. Amen. Mais en fait, temps de la fin. Amen. 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 Jésus, maintenant. Amen. Alléluia. Tu as épousé. Amen. À toi, tu m'as dit, oui, de prononcer la parole. Amen. 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 Maintenant, moi aussi, je t'ai dit. Amen. Alléluia. D'une explication. C'est vrai. Je t'ai vraiment dit, le miracle ne s'explique pas. Amen. Aujourd'hui, nous sommes au temps du miracle. Je prends un exemple. Si tu as ton papa est directeur et que tu as du travail, frère, où est le miracle? Ton papa est ministre, tu as du travail. Frère, il n'y a pas de miracle. Quand tu as dit, je suis grand, je dis, mon papa est venu. Amen. 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 Mais quand tu es né dans une famille, amen, tu n'as personne dans la tristesse. Alléluia. Amen. Amen. Que les mains se sont réunies. Pour les circonstances de la vie, montre que c'est pas possible. Oui. C'est là que le miracle est venu. C'est comme en mathématiques. Quand tu prends une équation, ça c'est pour nous. Tu dis 10 plus 2 égale 4. Quand tu fais la démonstration, tu vas avoir que 10, ça fait 4 moins 2, tu vas donner 2. La solution là, tu vas prouver ça par le problème. Oui. Si je remplis mon 2 par 10, oui, ça fait 2 plus 2, ça va avoir 4. Par exemple, tu dis, la solution au problème, oui, est prouvée par le problème. Amen. Ça veut dire quoi? Les problèmes que toi tu as vont montrer les solutions là à ton problème. Amen. Amen. Alors si tu as un grand problème, amen, ça veut dire la solution que tu as. Rosa!
le Seigneur. Amen. C'est ton frère. Amen. La parole commence. Amen. La parole de Jésus. Amen. Les résultats du message. Amen. Au temps du soir. Amen. C'est la création. Amen. Amen. La foi m'a dit, mais la foi parfaite. Au paragraphe 149. Oh, je peux entendre la main. Oh, je commence à me sentir très bien. Alléluia. Et je crois que l'ange dans la salle. Tout va, tout peut arriver. Je crois ça. Tout va. Tout peut arriver. Il dit soleil, arrête-toi. Il a dit stop. Amen. 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 Oui, oui. Amen. Amen. Reste là. Ne bouge pas. Amen. Très proche. Pour le dire, Jésus même n'en a pas arrêté. Amen. Il dit qu'il a arrêté la lumière. Il dit, mais l'astre même était là. Oui. Puis, amen. Amen. Il dit la décision de Jésus. Soleil, arrête-toi. Maintenant, Josué était plus sous terre expiation. Oui. Sous le sang d'un taureau et d'un bouc. Alléluia. Il a dit à un élément du système. Amen. Arrête-toi. Parce que moi, je dois gagner la guerre. Amen. Si 20 000, c'est pas bon. Ah. Lui, reste tranquille. Amen. A été honoré. Amen. Sous le sang des boucs et des taureaux. Amen. Tu n'as rien. Amen. Quelle fut la décision de Moïse? Oh. Il leva son bâton. Amen. Et il tue le Dieu fut comme cela. Et lui ordonna alors de souffrir. Et il souffrit. Amen. Voyez-vous quoi que vous demandez. Et si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Amen. Il faut m'en dire, les prédicateurs en ce temps disaient que c'était une montagne spirituelle. Il faut m'en dire, non. Amen. Il faut m'en dire, quand Jésus disait ça, il a pointé du doigt le mont Olivier. Amen. Il dit, si vous dites à cette montagne qui est là-bas, c'était pas une montagne spirituelle. Mais croyez que ce que vous dites arrivera, vous le ferez s'accomplir. Amen. Cela vous remet ta part. Amen. Mais cela n'est pas du lait en crémé. Oui. Oui, frère. Amen. Parce que ce que nous sommes en train de dire, frère, c'est les os. Dites-moi. Amen. Ce n'est pas pour les bébés. Amen. C'est pour les actifs. Amen. Et nous devons être des actifs. Amen. Amen. Je sais que cela va peut-être passer par-dessus vos têtes. Voyez-vous, parce que cela ne peut s'entrer. Mais une réelle et véritable foi saisit cela en ce moment. Amen. En ce moment, on va rentrer de balle. Amen. Je l'ai vu, amen. Mes amis. Amen. Voici cette pile qui est offerte devant moi. Amen. Je l'ai vu arriver. Amen. Et je sais que c'est arrivé. Amen. Je sais. Dieu dans le ciel le sait. Amen. Qui se peut que je ne vis pas assez encore pour pouvoir finir ce message. Mais je sais que cela est arrivé. Amen. Je l'ai vu moi-même. Amen. Je suis un témoin de l'accomplissement de cette parole. Amen. Que je sais être accueilli. Amen. Vous le dites. Oui.
voyez le Créateur créer. Amen. Un être vivant. Amen. Juste devant vos yeux. Alléluia. Amen. Amen. Tu prononces la parole. Amen. Et tu vois Dieu lui-même amener la chose à l'existence. Amen. Vous m'avez dit, je l'ai vu faire ça. Amen. En parlant de la création de ses dieux. Amen. Il dit, vous secouez la tête et vous vous posez des questions. Et ensuite, vous regardez autour de vous et vous le voyez en créant l'autre. Amen. Oh, alléluia. Amen. Quand il a créé la vie de toi, je veux te voir ici. Monter sur ces points jusqu'à t'arrêter. Oui. Amen. Et il a prononcé la parole. Paf. Le Guilet. Sors. Amen. Tu n'es. Amen. Oui. Sors du néant. Oui. Il fait exactement oui. ce que le prophète dit. Alléluia. Il prononce à nouveau. Amen. Amen. Il dit toi, éclair, il veut que tu sors de là. Tu manges ça ici. Il pensait que quand il va dire ça, ça serait compliqué. C'est pas compliqué. Amen. 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 Il était tellement stupéfait. Il est désolé. Regardez, c'était un besoin du prophète. Amen. C'est-à-dire que ce n'était pas prononcé à l'air. Ah. Quand le besoin se faisait ressentir, il faut avoir un besoin d'éclair. Amen. Et il a prononcé. Amen. Je t'entends la main. Amen. Je t'entends la main. Amen. Et alors, il finit, il prend, il veut partir. La voix de Dieu a demandé combien. Amen. On est tellement frère euphorique. Quand on voit Dieu confie. Et oh, tu as demandé quelque chose. Amen. Tu arrives peut-être à moitié. Tu dis c'est fini. Non. Est-ce que c'est ce que tu as demandé? Je t'en prie. C'est comme ce paralytique. Amen. Amen. Monsieur Mala, qui était à la piscine de Bethesda. Jésus est venu, il lui a posé la question. Que veux-tu que je fasse? Alors lui, il commence à donner les arguments. Il commence à me dérelater. Quand je vais m'avancer, il y a quelqu'un qui me dénonce. Jésus ne lui a pas posé cette question pour qu'il puisse répondre comme ça. Amen. La réponse n'était pas l'argumentation. Amen. Que veux-tu que je fasse? Amen. Oh non, quand je regarde dans ma famille, on dit que est-ce que c'est la réponse? Non. Question. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, dans le pays, on dit non, si tu ne payes pas concours, tu ne peux pas entrer. Je t'en prie. Amen. Alors tu verras la chose se manifester. Alléluia. Quand Frère Bonhomme a commencé à parler de ce coup, dans la maison m'a dit oui. Amen. Amen. Faut dit, même les diacres avaient tout dit. Amen. Faut dit, ils ont douté. Quand Frère a tenté de parler de la création, verset 2, il dit, les diacres ont douté de ça. Il dit, mais la peur. Oui. Elle dit, frère, oui. Ce que tu dis, voilà. Ce n'est rien d'autre que la fille. Voilà, tout d'un coup, oui. Amen. Alléluia. Tout d'un coup, amen. 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 Celui qui créa au commencement oui. est entré dans la pièce. Amen. L'atmosphère a changé. Alléluia. Il s'est voilé dans le coup. Amen. Et il te demande ce que tu veux. Amen. Il dit, je vais t'aider. Ouais. Tu es faible. Tu es pauvre. Amen. Si tu veux des milliards sur le champ, cela te sera ton. Amen. Mais non, il m'attend.
Mais comment? Ça serait dans ton monde, c'est pas ça. Alléluia. Suis le chant. Comment ça a venu? Nous, on ne sait pas. Alléluia. On ne cherche pas le mécanisme. Le miracle ne s'explique pas. Amen. Voici ta soeur. Va élisser pendant des années. Alléluia. Ce que tu vas demander. Suis le chant, elle va s'élever. Elle s'est tenue. Oh, je dois te la main. Elle dit, je veux le salut de mes yeux. Je t'ai toi. Tu as à l'instant les deux enfants sans passer par baptême, ni par justification, ni par sanctification. Il ne sort le Saint-Esprit. Et vous on dit, amen. Il dit, vous regardez autour de vous et vous le voyez crier en vous. Exactement pareil. Amen. Parce que vous l'avez dit. Amen. Et vous venez par ici et vous dites, il y aura un autre là. Et vous regardez, et le voilà maintenant. Voilà. Ceci est la vérité. Amen. Oh, nous devions être. Nous devions être. Voilà la foi parfaite. Vision. Amen. Ce n'est pas vision. Non. Non, je dois avoir d'abord un songe. Je serai maintenant rassuré et puis la chose va s'accomplir. Non, frère. Amen. Quand tu as prononcé, ne cherche pas songe. Amen. Et que tu viens de dire que voyez ça, tu vas avoir la chose. Non, reste ça. Vraiment, pas de vision. Amen. Juste prononcer la parole. Alléluia. Sans avoir vu du tout le curé. Il a simplement cité. C'est certain passage de l'écriture. Et ce qui le Père, il dit, dis-le. Amen. Et ne doute pas. Et ce que tu as dit sera là. Amen. Et j'ai pris Dieu à sa parole. Amen. Et la chose était là. C'est vrai. Et mes amis, en tant que votre pasteur, c'est aussi puissant oui. que lorsque Josué arrêta le souhait. Amen. Amen. La création particulière. C'est aussi puissant que arrêter le soleil était derrière oui. et puis il a arrêté. Mais ça, oui. à partir de rien, oui. pas de support, oui. pas de fusion, amen. Amen. Pas de vision. Pour le petit Finlandais, oui. il avait déjà eu la vision. Amen. Mais pour la création, pas de vision. Amen. Il est surtout puissant. Que ce que Josué a fait. Amen. Amen. Je peux faire. Amen. Il dit parce que, frère, dit parce que le soleil était déjà là. Oui. Les éléments se déplaçaient. Et il a arrêté le mouvement. Oui, mais ici, il a mené là quelque chose Amen. Qui n'était pas là. Amen. Il a créé. Amen. Je suis si content Amen. De connaître Dieu Amen. Qui peut un jour prendre la poussière de la terre. Et ceux qui viennent me rappeler de nouveau à la fin, à cette même fois, après que j'aurai été enterré dans la tombe. Amen. Amen. Si tu ne peux pas croire ça, il ne faut pas croire ta résurrection. Amen. 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 Ça, il dit ça m'a même à quoi que si je suis la poussière, il peut me ramener à la vie. Amen. Alléluia. C'est ce que nous devons croire. C'est à ça que notre foi doit être basée. Pas sur les suppositions. Pas sur les est-ce que. Prononcez la parole. Amen. Et la chose sera là. Amen. J'ai besoin de telles choses. Oui. Père, tu as dit. Amen. Nous ne sommes pas au temps du midi. Non. Mais au temps du soir. Et tu nous as dit au temps du soir, nous devons parler. Amen. Et la chose sera là. Amen. Sur la part de cette parole, j'ai un besoin. Amen. C'est ça. Amen. Parlez. Non. J'ai un besoin. Oui. Prononce la parole. Alléluia. Frère. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est ça le résultat des choses. Amen. Où les messieurs peuvent dire c'est fini. Mais quelque chose est créé. Amen. 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 Amen.
pas en parler ici. D'une petite fille qui avait la leucémie dans le cinquième jour. Et c'est là que Foma a fait la déclaration. Oui. Où nous voit quoi? Les membres manquants qui vont pousser. Amen. C'est à partir de cette histoire, de cette petite fille. Oui. Le cinquième jour, prêché le 23 mois 63, pour partir par la fin. Et il avait pas raconté l'histoire. Nous allons tous écouter l'histoire. Amen. 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 Croyez-vous que nous sommes dans du soir? Amen. Et qu'il doit avoir les résultats dans du soir? Amen. Alléluia. Il dit hier soir, nous avons rencontré le témoignage de la petite fille. J'ai son nom. Il est là quelque part, maintenant, celui des parents, et qui sont ici. Et cette petite fille était dans la phase la plus avancée de la leucémie. Elle était tellement malade. Écoutez bien, frère. Vous qui êtes malade. Amen. Amen. Elle était tellement malade qu'il ne pouvait plus la nourrir par là, à la bouche. Il lui faisait des transfusions de sang. Et elle était très mignonne. Elle était petite pour son âge, à peu près la taille de cette petite demoiselle-ci, je pense. Mais elle était à peu près de cette taille-ci. Elle était comme la plupart d'entre nous. On peut voir par les vêtements de l'enfant et les parents qui étaient des gens très pauvres, vraiment très pauvres. Mais ils étaient très respectueux. Et le Saint-Esprit a déclaré cet enfant qui est. Ils sont venus, comment on en parle? Il dit l'enfant est guéri. Amen. Comment dire maintenant? Pensez un peu à ça. Elle avait la leucémie. Et son sang était tellement corrompu qu'on ne pouvait même plus la nourrir par la bouche. Mais là, ce n'est pas les tuyaux, mais les veines et tout ça. Elle devait se faire aller à l'hôpital. Elle se fait faire des tensions des veines pour la nourrir par les veines avec du glucose. Je pense, je ne connais pas les termes médicaux de cette maladie, mais toujours est-il qu'il fallait la nourrir par ce moyen. Et l'enfant n'avait pas encore quitté les lieux. Mais quand on a prononcé l'enfant à l'hôpital. Ah, donc ça montre, ce n'est pas la distance que Dieu regarde. Oui, oui. Oh, il faut que je sois là, le pasteur. Non, frère, c'est pas ça. Non. Dieu guérit de plein temps de l'eau. Amen. Va t'en chier. Oui. Amen. Le Saint-Esprit va de l'eau. Amen. Il a prononcé la parole. Il dit le Saint-Esprit a déclaré l'enfant guéri. Oui. Parce que quand le Fils de Dieu parle, c'est Dieu qui parle. Amen. Il dit, l'enfant n'avait même pas encore quitté les lieux. Elle réclamait déjà un homme vainqueur. Amen. Amen. Elle veut manger maintenant. Amen. Et la parole, après avoir entendu le Saint-Esprit tourner sur l'église, ainsi dit le Seigneur. Et c'était les étrangers. Ils n'étaient jamais venus. Un vieux couple, un jeune fondateur. On vient de trouver la place. Il y a quelques minutes, frère et soeur qui les avaient instruits sur ce qu'ils devaient faire. Ce à quoi ils devaient être attentifs. Et pendant. Alléluia. Et pendant qu'ils étaient en route vers chez eux, l'enfant avait mangé ses repas. Après qu'ils vont quitter voilà la maison, l'enfant a commencé à manger. Amen. Cet enfant, amen. Amen. Oh, qui n'arrive pas à manger par la bouche. Oui. On mettait des tuyaux là par les fins pour nourrir. Amen. Amen. Je parle à l'heure. Comme vous savez, les ballons, on met tout dans le feu pour que tu sois nourri. Amen. C'était comme ça. Et c'était la leucémie au stade avancé. Amen. Mais quand la parole était préparée, avant même qu'ils allaient quitter les lieux, l'enfant a commencé à avoir faim. Amen. Amen. Les personnes sont étonnées. Et voilà, deux ou trois jours plus tard, elle était à l'école. Amen. Elle était allée chez le médecin. Et le médecin était très émerveillé. Amen. C'est ce que nous devons faire au médecin. Amen. Amen. Moi, je dis, quand amen. Ça, c'est l'amour. Quand tu viens, tu chantes à toi. Amen. Tu le touches lui. Amen. Tu lui voici l'enfant. Amen. Que tu avais préparé dans deux jours à mourir. Oui, oui. Mais il vit. Amen. Comment dire, le médecin était très émerveillé.
il a dit, il n'y a pas la moindre trace ouais. de leucémie chez ce enfant. Amen. Ils sont fermés dans les analyses. Oh, le sang était quoi? Corrompu. Amen. Mais, oh, alléluia. Dieu a purifié le sang. Amen. Il dit, oh, pour faire une œuvre aussi instantanée, aussi précise, il faut la puissance du Dieu Tout-Puissant. Amen. Il faut en continuer. Il dit, et c'est je dis ceci. C'est un acte créateur. Amen. Du Dieu Tout-Puissant. Amen. Que de prendre un sang qui était tellement contaminé oui. par le cancer. Oui. Que la pauvre petite était toute chaude. Amen. Et pour souffrir. Et quelques minutes, un sang tout neuf. Amen. Alléluia. Et je crois. Amen. Ce matin. Amen. Il aura un sang tout le temps. Toi qui es malade. Toi qui n'as pas enfanté. Il aura une nouvelle matrice. Un sang tout le Dieu ne raccommande rien. Tu es un créateur. Amen. 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 Un sang tout le l'enfant est à l'école. A commencé à jouer comme un sourd. Amen. Oh frère. Amen. Tes affaires ne marchent pas. Amen. Frère. Amen. Aujourd'hui, Amen. Mes affaires commencent à marcher. Amen. Je passe de tel chiffre d'affaires. Amen. À tel chiffre d'affaires. Alléluia. Faut pas avoir peur. Amen. Tes démons ne fait pas Dieu. Amen. Non, non. N'attends pas main. La même porte, tu ne peux pas épuiser. Frère, tes démons ne font pas Dieu. Amen. C'est pour lui demander tout ce que vous voulez. Oui. Un sang tout neuf. Amen. Alors maintenant, comment maintenant faire la déclaration? Oui. Pour parler avec toi. Tout dans le cinquième jour. Il dit, je crois. Oui. Je ne vais pas le dire en son nom. Je vais le dire selon la révélation de ma foi. Amen. Amen. Dieu créé ce tout neuf. Par la parole. Amen. Il dit, je vais le dire selon la révélation de la foi. Ce qui s'est passé dans le salut local. L'autre chose. Oui. Je crois. Pourquoi? Le salut local, qu'est-ce qui était le vêtement qui s'est produit? L'épée du roi. Amen. Est descendue dans sa main. Amen. Et il dit ça s'ajustait exactement à ma main. Amen. Bon, la main, c'est la main de foi. Amen. L'épée du roi, c'est la parole. Amen. C'est pas la vie, mais ça, ça ressemble à l'épée d'un roi. Oui. La foi l'a corrigée. Voilà. Ce n'est pas un roi, mais du roi. Amen. Et il a dit, mais il y a un seul roi. Oui. Et le pauvre. Amen. L'épée du roi, c'est le tout dans les mains d'un homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu montre par là Amen. Le transfert de la divinité voilà. à l'homme. Amen. Vous n'entendez pas ça? Amen. C'est la parole. C'est comme moi, il est tout aussi, tout au plein de la divinité qu'il était au commencement. Amen. Amen. Parce que pour créer, comment la dire, on peut décider? Oui. Il faut la puissance du Dieu Tout-Puissant. Amen. Parce que Dieu seul est le créateur. Oui. Il faut la divinité pour faire ça. Amen. Tu vas bien? Amen. Mais cette épée, c'était aussi le titre de propriété incontestable. Amen. Alléluia. Donc cela qui était dans la main du roi a été transféré dans la main de Branham. Amen. Mais quand ça a disparu, ça a un
le petit gourmet ouvert, c'était aussi ça, le titre de Prométhée contestant. Ça a commencé, oh, je prends la main, dans la main de l'ange puissant. Cela est descendu dans la main du septième ange. Et Apocalypse 18, il a été dit maintenant à Jean qui est le pousse, va prendre maintenant le petit gourmet. De la création, amen. Il faut le créateur dans les êtres humains. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vous êtes Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je le dis, selon la révélation de ma foi, ce qui s'est passé dans le Sabino Carillon, je crois amen. Que l'heure est proche. Amen. Nous étions 63. Amen. Où des membres manquants oui. vont être remis amen. En leur place. Amen. Amen. Et la puissance glorieuse du Créateur. Amen. Je crois amen. Que s'il peut faire apparaître le curé qui n'a pas bon ici, amen. Il s'agirait d'un homme ou d'une femme. À qui il ne manquait pas. Oui. Alors que là, c'était l'aliment lui-même amen. Au complet. Amen. Il est Dieu. Amen. Je l'ai. Amen. Si, si, oh, amen. Il y a la création d'un aigle complet. Qu'en est-il d'un homme qui a un membre manquant? Qu'en est-il? Amen. 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 Si la toi, il y a un manque manquant. Je peux faire. Amen. Ne peux-tu pas faire pousser la chose? Oui. Alléluia. Amen. Amen. Oh non, j'ai le cancer. C'est minime, frère. Amen. Dis ta main. Amen. Oh non, j'ai ceci. Si tu as fait apparaître un miguel complet, complet, frère. Non pas un, mais jusqu'à toi. Amen. Amen. Quel est-il? Je crois que même c'était calme. Et deux fois. Ouais, deux fois de personne. Amen. Que le nom se soit bien. Un mec complet. Est-ce que Dieu ne peut pas faire pousser un homme de si. Amen. 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 Et puis je crois que l'œil est proche. Oui. Je t'en ai. Amen. L'œil est proche. Et nous sommes. Moment. Oui. Alléluia. Comment on dit, les gens de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas cette présence. C'est vrai. Amen. Ils n'avaient pas ça. Non. Mais nous, oui. Oh frère, amen. Alléluia. Dieu nous a visités. Amen. Amen. La puissance pour créer, c'est en notre temps. Amen. Amen. La création, c'est en notre temps. Amen. Oh frère. Amen. 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 Remarquez, frère. Oh, alléluia. Amen. À midi, c'était à partir d'un élément. Oui. Et pour moi, autant du soir, à partir de. Oui, oui. Quand toi-même, tu as déjà quelque chose même dans ton compte. Amen. Oui. Amen. 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 Tu as déjà même du riz, ça y est. Amen. Donc, tu peux multiplier. Oui. Pour retourner à midi. Amen. Mais quand tu es dans ta saison, oui. Frère. Il n'avait pas cette présence. Mais nous, le Dieu du ciel et de la terre, se voit dans notre tête simple. Pour à nouveau créer, appeler les choses à l'existence. Il faut que ta foi arrive. Il faut que ta foi arrive. Je dois donner la main. Oh, que le nom de Seigneur soit béni. Amen. Oh, regardez ce que tu as dit. Dans la reine de Sheba, il y a une trois situations que nous avons passées. Amen. Amen.
dans la règle de Séba, parce que je dis 7e mois 60, au Paracat 95, dans la prière du prophète, ils regardent la gloire Père Céleste. Ils sont venus de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, pour entendre la sagesse, l'esprit du discernement qui était sur ton serviteur, Salomon. Et quand ton fils, le Seigneur Jésus, était ici sur terre, il les a parlé. Combien ils ont condamné dans leur génération la chose que la génération de Salomon chérissait. Et combien ceux de la génération de Salomon avaient prospéré. Et combien les autres étaient corrompus dans sa génération. Et pourtant, ils étaient plus que ça. Ils étaient plus que Salomon. Et aujourd'hui, Père, c'est un jour plus glorieux que celui où tu nous avais visité ici sur terre dans un corps de chien. Il dit aujourd'hui c'est un jour plus glorieux que le jour où Dieu nous était venu dans la chair. Frère, car en ces jours-là, la véritable expiation n'avait pas encore été faite. Christ n'était pas encore au carré. Mais maintenant, il est allé au carré. Et il est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Maintenant, pour témoigner ta mort, c'est un jour glorieux. Amen. Dans cette forme-là, c'est la création. Alléluia. Amen. Dieu habitait dans un seul homme, Jésus. Amen. Et c'était son fils Jésus. Amen. Et aujourd'hui, après que l'expiation ait été faite, toute l'église rachetée peut enfermer Dieu dans son sein. Tu n'as plus le droit même d'appeler quelqu'un. Toi-même, tu dois renverser la situation. Amen. Il est le jour dans lequel nous vivons est plus glorieux que le jour dans lequel Dieu nous est venu dans la chair. Dieu dans son sein.
Vraiment, il veut entrer dans le sein de son église. Amen. Oui. Amen. Amen. Il vient dans le nom. Amen. Amen. Où on dit ça, on ne peut plus rien faire. Alléluia. Amen. Des sons extraordinaires. Amen. Apparaît sur la scène. Amen. Il reste tranquille. Alléluia. Amen. Nous avons Dieu avec nous. Amen. Avant, amen. Dieu, tu cherches Dieu, il est ici. Amen. Reste tranquille. Amen. Il est ici. Amen. Dieu est où? Amen. Il est ici. Amen. Oh Seigneur, je n'ai plus la main. Dis ta main. Amen. Et je n'ai plus ma foi qu'à terre. Nous adorons Dieu, non pas ta pêche. Oh Seigneur. Amen. Non pas sur toi. Le cancer lui avait ronché les esprits, il n'a plus né.
Et son fils était un employé de la désinfection à Tézankara. J'ai prié pour lui. Et à la toute prochaine réunion, une jolie femme se tenait là, en train de regarder. Elle paraissait très jolie et elle me regardait. Elle a dit, ne me reconnaissez-vous pas? J'ai dit, je ne pense pas. Alléluia. Et la, le jeune homme s'est mis, on dirait, à pleurer et à regarder. Le fils, il a regardé. Il dit, c'était cette dame-là. Elle avait un nouveau-né. Le nez avait repoussé sur son visage. Amen. Et, on dit, je sais que cela paraît insensé. Oui. Et je ne voudrais, j'aimerais pas dire quelque chose qui n'est pas vrai. Nous ne devons pas le faire. Nous devons être sérieux dans dire cette chose. Donc nous ne sommes pas en train de dire des choses qui ne sont pas vraies. Oui. Elle n'avait pas de nez. Mais quand il a prié, le nez a repoussé. Amen. Un nouveau, jusqu'à il n'a pas reconnu la table. Oui. Amen. Elle dit, est-ce que tu me reconnais? Il dit non. Amen. Amen. Et pour le dire, mais j'ai regardé ta table qui se tenait là, sans nez. Et puis quelques semaines après, je l'ai encore rencontré. Et elle avait un nez. Et cela, elle a dit que le cancer avait cessé de ronger. Et puis après, comme si quelque chose avait commencé à repousser. Et voilà qu'elle avait un nouveau nez. Amen. C'est si merveilleux de voir comment il a pu faire cela. Amen. 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 Elle n'avait pas de nez. Oui. Mais au temps du soir. Oui. Amen. Les résultats du temps du soir, oui. C'est la création. Amen. Les docteurs ont échoué. Oui. Parce qu'ils n'ont pas cette puissance, non, de pouvoir placer un nez artificiel. Oui. Mais ici, c'est un nouveau nez. Amen. Et pour nous dire, cela l'a rendu encore plus chaud. Alléluia. Merveilleux. Qu'en est-il de ton cas ce matin? Alléluia. Qu'en est-il de ton cas ce matin? Alléluia. Et Femme a dit, dans pas la cette montagne, il dit, je crois que l'Église du Dieu vivant est en train maintenant d'arriver dans une sphère qui va secouer le monde entier. Depuis le pas de Jésus de Nazareth, c'est la première fois qu'il est dit un mec humain. Demande ce que tu veux. Amen. Et cela te sera accordé. Amen. Quoi que vous désirez. Oui. Ne voyez-vous pas que les paroles de Jésus-Christ sont en train de s'accomplir? Amen. Ce matin, oui. Tu vas dire ce que tu veux. Amen. Et ce que tu vas dire, oui. C'est ce qui sera là. Amen. Est-ce que vous croyez? Soyez dit. Cela va arriver très bientôt. Amen. Nous sommes en 59. Sous les sièges, amen. Ça va t'atteindre. Amen. Cette tension frappera ce matin amen. Chacun de nous. Amen. Est-ce que vous le voyez? Amen. Il dit les malades seront guéris par une parole. Amen. Les aveugles verront par une parole. Amen. Les sourds entendront par une parole. Amen. Les morts ressusciteront par une parole. Amen. Comme on dit, je crois que nous sommes en ce temps. Je le crois, frère. C'est un événement qui va secouer le monde entier. Amen. Et nous sommes dans cette dispensation. Amen. Les résultats Amen. Du message Amen. Du temps du soir. Amen. Alléluia. Amen.
Jean. Tu n'as maintenant aucun droit d'état. Aucun verre. Jésus-Christ t'a dépouillé de tous les droits que tu avais. Il a payé l'entièreté du prix. Il a dit, c'est accompli. Tout le plan entier du salut. Toute la guérison. Tout a été accompli au calvaire. Maintenant, nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Et tu ne peux plus nous retenir. Nous disons, quitte-nous. On peut répéter cela. Quitte-nous. Quitte l'Assemblée. Quitte nos affaires. Quitte nos foyers. Quitte nos fruits. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les résultats du message du temps du soir. Amen. On ne va pas se contenter de prendre un grain.
jamais change de vision. Tu n'es pas un petit marché. Nous sommes dans les graines d'Égypte, mais on ne sommes pas petits souris. Amen. On ne va pas se contenter de prendre un grain. Amen. Tu es fils de Dieu. Tu n'as pas d'ambition. Tu es maçon. Tu cherches petit projet, c'est même petit marché. Tu prends tout petit marché. Tu auras tout petit marché. Et puis c'est pas toi qui t'appelles gros bro. Jamais change de vision. Tu n'es pas un petit marché. Ce que tu déclares, activise. Est-ce que le message de la création prouvé au Tanou d'Abraham est vrai? Amen. Dieu n'a rien des éléments. Il n'a jamais besoin de graines. Et j'étais jusqu'à midi à 10h, il n'y avait rien. Mais cette parole m'intriguait. Si tu dis à cette montagne, déplace-toi, cela doit arriver. Amen. Donc, Dieu maintenant passe la théorie à la pratique. Alléluia. Et si tu dis ça te dit, bien, c'est pas moi, c'est toi. Oui. Actuellement, tu es venu. Est-ce que tu as ce que tu veux? Non. Ça, c'est pas un fait de spirituel comme l'a dit le ministre. Le Père dit, c'est que des petites fois, ils attirent ça au spirituel. Yeah. Mais nous sommes au temps de la voie restaurée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est ton besoin? J'ai besoin d'écureuils. Combien d'écureuils paillent? Et non seulement. Oh, mais c'était merveilleux. Moi, là-bas, j'ai mis un système en place. J'ai dit, toi, tu vas ici, tu t'arrêtes là. Tu vas te rendre là. Alors je te prouve que tu prends ma place. Tu m'as créé, alors il faut que tu donnes le bon de début à la fin de la chose. Ce que tu crées là, on ne crée pas de l'intérieur. Dis avec précision. Amen. Je veux que l'écureuil paraisse ici. Qu'il fasse ce parcours. Qu'il s'arrête là. Et que je le tire en plein milieu des cieux. Et là, il va mourir. Amen. Branham t'a représenté. Ce matin, quel est ton besoin? Tu dois aller au-delà de la multiplication. Amen. Ça fait partie, c'est vrai. Mais la première du jour, c'est la création. Amen. Si les cellules sont mortes, tu dois les créer. Amen. Par une seule parole. Amen. Ne limitons plus notre foi. Laissons notre foi exploser. Amen. Laisse ta foi exploser. Amen. Un nez qui n'existe pas et qui vient à l'existence en quelques jours. Un nouveau nez lui donne un nouveau visage. Amen. Ce matin, Prana est précis. Le message du matin après le matin, le message de midi après midi. Le soir va dans le soir. Et au soir, on retourne au commencement. Je ne veux pas d'intermédiaire. Et tu as la chose. Amen. Si tu crois ce message, la chose est en toi. Amen. Ne doute pas. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit. S'il vit, il va honorer sa propre parole. Amen. Oh frère. Quel est ton besoin sur ce matin? Parle et ne doute pas. Toi, autant tu as été humilié, autant Dieu va te combler. On l'a entendu ce matin. La solution des problèmes sont prouvées par le problème humain. Autant tu as été humilié, autant autant t'a traîné de la boue, autant il va t'acclamer. Amen.
Nous sommes de sa présence. Ne laisse pas cette occasion passer. Tu peux le dire. Oh, fils de Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Il te sera fait selon ta demande. Il est ici. Je te dis, le chambre de ce testament est présent. Tout est possible. Thank you.
agenda du soir, c'est la création. Ça s'adresse à moi. Ça s'adresse à toi. C'est un point de question. Yeah.
Selon ta demande. Quand Dieu parle, ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. Amen. Aucun lien ne peut te retenir. Tu es déjà libre. Amen. Aucune puissance ne peut t'arrêter. Amen. Quand Dieu t'a dit, viens. Si Dieu t'a béni, qui peut te maudire? Alléluia! Tes affaires ne sont pas tes affaires à toi, comme on l'a entendu. Si c'est entre tes mains, le diable fait opposition. Mais quand c'est entre les mains du Créateur, tu vas consacrer cela. Dieu dirige tes affaires. Celui qui s'oppose, s'oppose à Dieu. Amen. Ne crains rien. Amen. Sœur, ne crains rien. Amen. Frère, ne crains rien. Amen. Tout va bien. Amen. Tout va bien. Amen. Dieu de William Mario Branham. Je suis fier de toi. Alléluia. 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 Quand tu parlais là-bas dans l'ancien temps, quand tu te présentes, tu dis, je suis le Dieu d'Abraham. Amen. Je suis le Dieu d'Isaac. Amen. Je suis le Dieu de Jacob. Amen. Quand les enfants de Dieu te prient, il dit, Dieu d'Abraham, notre Père. Amen. Et tu descendais. Amen. Et c'était sous alliance. Amen. Aujourd'hui, Amen. Dieu te brûle par ton père. Parce que tu as dit, tous ceux que tu as aimés, tous ceux qui t'ont aimé, je te les donne. Amen. J'ai dit, si tu perds de l'argent à te croire, Amen. Tout ce que tu m'as dit, même pas le cancer, ne peut pas résister. Amen. Et il nous a amené à le croire. Amen. Et nous croyons ce message du temps du soir. Amen. Seigneur, ce n'est pas ton serviteur qui a parlé ce matin. C'est toi qui as parlé par des lèvres humaines pour ramener nos cœurs sur le bon pendroit. À toi exactement ce qui est. On va savoir ce que nous cherchons. Amen. Et on va savoir quels sont les résultats attendus. Amen. Et ce matin, tu nous ouvres les yeux afin que nous comprenions que tu nous ramènes à la création à nouveau. Amen. Amen. Tu nous places la base sur laquelle toi tu étais placé. Amen. Quand tu as dit,
dans chaque cœur. Amen. Si mon frère du pain, dès que ce message est délibéré, je change de doute à foi. Amen. 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 C'est à nous de prouver ce que l'Écriture a dit. Amen. C'est à nous de prouver ce que Branham a dit. Amen. Pour quelqu'un qui va se lever un jour, qui va dire à Satan, arrête d'espagner. Yeah. Ce quelqu'un-là, c'est moi. Amen. Ce quelqu'un-là, c'est mon frère. Amen. Ce quelqu'un-là, c'est ma soeur. Amen. Nous sommes plus prêts à accepter le dictat du diable, la pression du diable. Satan, arrête maintenant. Nous savons qui nous sommes et nous savons ce que nous faisons. Amen. Maintenant, Seigneur, honore la foi de tes enfants. Amen. Celui qui a besoin d'avoir un changement dans son être physique pour croire à chaque parole, qu'il soit donné cela maintenant au nom de Jésus. Amen. Celui qui a besoin d'avoir un changement dans son organisme pour recevoir une nouvelle santé, que cela lui soit accordé maintenant au nom de Jésus. Amen. Oui, ceux qui ont des métiers et qu'actuellement ils t'attendent, ils ont besoin de marcher. Seigneur, en tant que ton serviteur, je prends la parole sur eux, que des marchés, ceux qui ont besoin, leur soient accordés et au-delà. Là où il y avait des blocages, je brise la porte. C'est-à-dire, voici mon serviteur. Oh, je l'ai libéré. Il s'élèvera très haut. Oui, que cette église, autant elle a été humiliée, autant elle s'est élevée. Autant sont passés par la difficulté, autant que le Dieu réjouit. Bénis ton peuple. Bénis l'ouvrage de leurs mains. Bénis chaque ministre ici. Amen. Ton serviteur qui a prêché. Élève-le davantage. Souviens-toi de moi. Amen. Tu connais les pensées de mon cœur. Je prie, Seigneur, aide-moi simplement. Amen. À être à mon poste. Pour être utile à ce peuple que tu m'as confié. Amen. Je veux voir chacun arriver en pleine maturité. Amen. Je veux voir tout le monde entrer. Chante les organes. Amen. Là où il y a le cancer, peu importe que ce cancer meure. Au nom de Jésus. Là où il y a des plaies dans le ventre, que ces plaies meurent. Au nom de Jésus. Les lésions dans le poumon, que ces lésions disparaissent. Au nom de Jésus. Tout ce qui a de l'intention, j'arrête cela. Le bon cholestérol, que cela disparaisse. Que tout ce que tu as placé pour que le corps fonctionne normalement, Seigneur, je revendique cela maintenant. J'appelle cela de chaque organisme. Chez moi, chez mon frère, chez ma soeur, que tout redevienne comme enfant. Accorde-le. Nous sommes au temps de la parole. Qu'il en soit ainsi. Amen. Seigneur, on a besoin de moyens financiers. Mon frère en a besoin. Ma soeur en a besoin. Moi-même, j'en ai besoin. Amen. Seigneur, que maintenant l'argent ne soit plus un blocage dans cette maison. Dans tout ce que je dois faire, que l'argent ne soit plus un frein. Celui qui ne trouve pas tout, la prestation
que les mains soient des mains diligentes. Amen. Merci Seigneur. Tandis celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donne à tout le monde d'être de ceux qui arrosent. Amen. Afin que tout le monde soit bon, abondamment arrosé. Amen. Merci Seigneur. Amen. Même nos enfants, amen, qu'ils soient bénis. Partout seront, amen, qu'ils soient exceptionnels. Amen. Merci Seigneur. Merci, papa. Oh, qu'est-ce que Dieu te dit? Mets-nous au large. Amen. Mets-nous au large, simplement. Le message du soir doit avoir les résultats du soir. Amen. Donne à chacun de nous exercer, amen, de nous entraîner, amen, à la parole de création. Amen. Que nous puissions exercer. Amen. Seigneur, que cela soit comme une onction spécial, amen, qui frappe maintenant cette assemblée, amen, et la propre de nos frères, amen, de l'atmosphère, amen, où rien, on ne peut faire obstacle, amen, n'est pas devant n'importe quelle situation, que mon frère se rit, amen, de la situation, amen, parce que quelque chose en lui lui dit c'est terminé, amen, ça ne peut pas t'influencer, ça ne peut rien te faire, donc toute la chose là, Seigneur, que ces sentiments s'installent, amen. Et que personne ne fléchit genoux devant le diable, amen. Merci Seigneur, amen. Oh ce matin, c'est beau, c'est merveilleux, amen, c'est vraiment merveilleux, amen. Que ton nom soit élevé à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Et vous avez la joie? Acclamons le Seigneur. Si vivant.